Bonjour, vous êtes dans l'atelier du chat assassin français. Voilà, on va dessiner Tuffy. D'abord, écoutez un petit peu dehors. On entend... Ah, les oiseaux sont là. Le chat assassin aussi, malheureusement. Commençons tout de suite. Je vais vous montrer un petit peu comment je travaille. Voilà. Je sais pas si vous connaissez. Oups, c'est un cheveu. Il faut enlever ça. Je sais pas si vous connaissez Tuffy. On va allumer la lumière. Attention. Oula. C'est quelqu'un qui a un drôle de nez, là. On dirait qu'il est un peu cabossé, hein. C'est un drôle de personnage, ça. D'habitude, je dessine Bella comme ça. Bella, elle a des cils pour bien montrer que c'est une fille. Mais là, franchement, on dirait qu'elle est tombée du balcon, hein. D'ailleurs, on va essayer de dessiner... On va dessiner, on va dire ça, ce serait le balcon. Et hop. Là, ben, attention. Ah, au secours. Au secours. Je vais tomber du balcon. Et après, eh ben, paf, aïe. Est-ce que ça c'est bien? Un chat qui tombe et ça fait comme ça. On sait pas trop. C'est pas évident, hein. Vous voyez, parce que là on comprend pas tellement. Si je mets un peu de couleur, le rouge ici, c'est trop tôt. Là c'est bien, et là c'est trop tôt pour une chute. La chute, c'est difficile à dessiner. C'est comme la claque. La claque et la chute, c'est des choses difficiles à dessiner. Quel est le moment qu'on va prendre pour montrer que ça fait mal? Et la position. Aïe. Aïe. Là, c'est quelqu'un qui tombe. Ça marche pas non plus. Il n'est pas encore tombé non plus. On sent que ça va faire mal, mais... C'est pas encore ça. Alors là, c'est carrément paf, tac. Ça a fait mal là, carrément. Et ben, je trouve que c'est encore ça qui est le mieux. Quand on veut dessiner quelque chose, il faut vraiment faire plein d'essais. Je trouve que ça, c'est pas mal du tout. Si on veut faire une succession de dessins, je vais prendre ça par exemple. Alors, je tiens le téléphone d'une main, je travaille de l'autre, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Je prends mes ciseaux là. Je vais découper le premier chat. Alors, est-ce que ça fait une succession d'images? Pas mal, pas mal, pas mal. Ça, c'est bien.